Rabbinissime, vous nous avez tous pris par surprise avec cette retraite qu'on n'attendait vraiment pas. On va beaucoup vous manquer et je suis sûr que les élèves vont beaucoup vous manquer, vos enseignements. On a beaucoup appris de vous, surtout sur votre Hessed et sur votre Torah, d'avoir une prestance d'un Talmid Chacham à l'école Maïmonide. C'est irremplaçable. On vous souhaite, Bezrat Hashem, la plus grande Hatzlacha dans votre retraite et de profiter de vos petits-enfants et de vos arrière-petits-enfants. Une longue vie, Bezrat Hashem, et espérons qu'on pourra toujours se voir dans les bonnes occasions et qu'Hashem vous donne du koach dans tout ce que vous allez entreprendre. Et vous allez beaucoup nous manquer. Behemet, c'est irremplaçable. Alors on vous embrasse très fort et on vous souhaite le meilleur. Au revoir. Shem, qu'est-ce que je peux dire? Tu vas nous manquer et que tu as enseigné et que tu as montré le chemin de la Torah, pas juste aux enfants, mais même à nous. Tu vas nous manquer énormément. C'est le temps pour toi de profiter de tes enfants, tes petits-enfants. Les petits-enfants, si Dieu veut, toujours en santé et en bonne forme. Excuse-moi. Mais une chose que je peux te dire, c'est que je vais toujours t'appeler ou te demander des questions si j'ai besoin de conseils par rapport au cours que je fais à l'école. Et tu vas faire un grand vide. Alors, mais je te souhaite une retraite très relaxe. Et que Bezat Hashem, tu viens nous visiter et que Bezat Hashem, on pourra se réunir ensemble pour de bonnes occasions. Et je te souhaite que du bien. Shabbat Simon, pour moi, tu es une vraie Talmid Chacham. C'est intéressant que Talmid Chacham, quand Chazal il nous dit c'est qui un Chacham, c'est un Talmid. Talmid, c'est un étudiant. Pour être un Chacham, tu dois être à tout temps aussi un étudiant. Et la Gemara nous dit qu'un Talmid Chacham, c'est une personne que tu lui poses une question, ça n'importe quoi, il peut te répondre. Et c'est toi, je peux te poser une question en halakha humash et tu réponds. C'est pour moi, c'est un Talmid Chacham et tu es un vrai Talmid Chacham. Tu vas nous manquer beaucoup, beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup, Monsieur Ben Simon, pour toutes ces merveilleuses années d'enseignement passées avec vous. Votre façon d'enseigner était très captivante et intéressante. Elle nous a tous marqués. Vous nous avez donné l'envie d'approfondir nos connaissances en Torah. Vous êtes toujours là pour nous aider et pour nous encourager à en apprendre plus. Merci et encore merci. Vous allez vraiment nous manquer. Monsieur Vincent, j'aimerais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous tout au long de notre scolarité à l'école maïmonide. Mis à part le fait que votre enseignement de la Torah a été incroyable et unique, vous nous avez inculqué de nombreuses leçons de vie très importantes pour nous qui vont nous aider pour le futur. Merci vraiment, vous allez nous manquer. Cher Monsieur Ben Simon, merci d'avoir toujours été là pour nous. Depuis un jeune âge, vous avez toujours été là pour moi et m'avez toujours guidé vers le bon chemin. Je suis très reconnaissant pour tout cela. Une petite anecdote, en secondaire 1, quand j'essayais d'aller vers un autre chemin, vous étiez toujours là à me remettre sur le bon chemin. Aujourd'hui, je suis qui je suis grâce à vous. Merci. Merci Monsieur Ben Simon pour toutes les belles leçons que vous nous avez apprises. Merci pour votre patience et votre dévouement envers l'étude de la Torah et envers nous. Vous allez nous manquer. Cher Rav Ben Simon, c'est seulement après avoir gradué que nous avons réalisé quelle zechout on avait eu de vous avoir en tant qu'enseignant à l'école Maïmonide, même si nous n'étions pas toujours attentifs. Merci pour toutes ces heures de Torah et c'était un vrai plaisir de vous côtoyer en tant que collègue ces 5 dernières années. Merci. Bonsoir Monsieur Ben Simon, j'espère que tout va bien. Je voulais juste vous dire, je voulais juste vous remercier pour les quelques années que je vous ai eu à Maïmonide, pour toute la Torah que vous nous avez appris, pour toutes les bonnes valeurs que vous nous avez apprises. Et que je vous souhaite une bonne retraite, Bezrat Hashem, une bonne continuation dans vos futurs, dans ce que vous voulez faire. Et Bezrat Hashem, j'espère vous revoir un jour et qu'on pourra rediscuter sur des sujets qu'on a parlé en classe, dont je connaissais pas assez.
Et Bezrat Hashem, je vous souhaite que le bien du monde et qu'Hachem vous protège. Amen. Cher Rav Ben Simon, j'aimerais vous remercier de tout cœur pour votre dévouement à l'enseignement de la Torah. Vos midot incroyables, votre patience et surtout votre confiance en nous auront fait de vous l'enseignant parfait comme nous enseignent les Chachamim. Aujourd'hui, avec un peu de recul, nous réalisons le mérite que nous avons eu de vous avoir comme Rav. Je vous souhaite Arichut Yamim Veshanim et que vous puissiez aller Mechaïl El Chaïl dans la joie et la santé. Merci. Bonsoir Monsieur Ben Simon. J'ai eu la chance de vous avoir comme professeur Baruch Hashem, d'apprendre vos valeurs et vos connaissances en Torah. Je vous souhaite une excellente retraite. Vous êtes Hashem, qu'Hashem vous protège. Vous êtes vraiment un pilier pour l'école Maïmonide. On va vous manquer. Cher Rav Ben Simon, j'aimerais vous remercier pour avoir été pour nous plus que juste un prof de Mishnah. Des fois, nous avions la chance d'étudier ensemble des Mirtav Me'eliyahu aussi, c'était très très beau. Et au-delà du cursus scolaire, vous avez été pour nous toujours comme un oncle, comme quelqu'un de la famille, toujours à donner des bons conseils. Votre patience et votre dévouement sont vraiment exceptionnels pour vos élèves. Et on sentait toujours qu'on pouvait venir vous poser n'importe quelle question et que vous preniez toujours le temps entre les cours, que ce soit pendant la récréation ou après l'école, ou même nous avions organisé à un moment donné un cours pour les filles, un soir par semaine, juste pour n'importe quel sujet qui nous intéressait, qu'on était curieuse, qu'on voulait apprendre plus. Et c'est des choses qu'on se souvient même 10 ans après, que vous avez toujours pris le temps avec nous, au-delà de vos fonctions, pour nous aider et nous répondre à toutes nos questions. Merci pour tout, Rav Ben Simon. Mon très cher Rabbi Shem Ben Simon, ici Nathaniel Fima, votre ancien élève, merci infiniment pour tout ce que vous avez fait pour nous. Sachez que vous avez toujours été une grande source d'inspiration, que ce soit au niveau de la Torah ou des Midot, ou même au niveau de la direction de vie. Sachez que grâce à vous, beaucoup d'entre nous sont mariés aujourd'hui avec des femmes, des enfants dans le chemin de la Torah, et vous avez certainement une grande part là-dedans. Merci pour tout ce que vous avez fait. Vous êtes un homme extraordinaire, foncièrement dévoué, toujours là pour amener du bien dans ce monde, amener du bien à ses étudiants et à tout le monde qui les entoure. Sachez que notre vision de la Torah n'est plus la même une fois qu'on est passé par votre classe. On vous aime, on vous souhaite la meilleure retraite du monde, en santé, dans la Torah, avec facilité. On espère vous revoir très 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 bientôt. Merci pour tout. Bonsoir Rabbi Shem, j'espère que vous allez bien. Voilà, quelques années plus tard, j'aimerais vous remercier pour tous les shiurim que vous nous avez donnés, pour l'investissement et le temps que vous avez mis pour nous enseigner ces mots de Torah et ces valeurs. Je vous souhaite la meilleure des retraites dans un bon Beit HaMidrash avec beaucoup de talmidim. En espérant vous revoir très bientôt, je vous embrasse et à très bientôt. Rabbi Ben Simon, je tiens à vous remercier pour tous les efforts et le travail que vous avez mis pour nous enseigner la Torah, tout le calme et la patience que vous avez eu envers nous durant toutes ces années à l'école Maïmonide. Je tiens à mentionner aussi que Rabbi Ben Simon a non seulement fait énormément par rapport aux élèves de l'école Maïmonide, mais aussi au-delà du cadre de l'école, s'est donné pour tous les jeunes de la communauté de Montréal, et j'en suis moi-même la preuve. Quand j'étais tout jeune, le premier contact à la Torah, c'est Rav Ben Simon qui me l'a donné. Il est venu me voir, me parler, et il m'a initié à l'étude de la Torah. Et c'est quelque chose qui m'a marqué toute ma vie. Il est venu avec sa patience, sa douceur et son calme, et il a planté en moi une graine qui jusqu'à aujourd'hui est présente. Alors je tiens à le remercier et à souligner tous ses efforts. Merci beaucoup. Au nom de toute l'école Maïmonide, nous vous souhaitons une retraite paisible et joyeuse et que tous vos étudiants puissent mériter de vos enseignements et vous rendre ce mérite en santé et réussite au sein de votre famille et de tout votre entourage. Nos portes seront toujours ouvertes pour vous accueillir. Behatzlacha Rabba, Rabbin Shem Ben Simon, toute l'équipe de l'école Maïmonide.